Amis et chers internautes de Kidira TV, bonsoir à toutes et à tous. Un plaisir de vous retrouver à travers Kidira TV. Nous sommes à Paris, plus précisément à Pantin. Comme vous pouvez le voir, on est en face du restaurant El Gola. C'est dans ce cadre magnifique que Kate Evenementiel va vous proposer un spectacle inédit avec trois artistes à l'affiche ce soir pour vous offrir une soirée inédite parce que tout simplement, elle compte organiser un truc bien fait pour les Parisiens, participer, passer des moments merveilleux, profiter de la soirée. C'est le week-end Paris. Tout le monde s'enjaille, c'est un samedi et puis on va pouvoir profiter de ce week-end pour passer des moments inédits. Alors, soirée bienfaitée, c'est une soirée caritative. Les plinchis collectés en termes de fonds, d'Anko est reversé. On nécessite surtout pour soutenir Ningaham de Nyomnyoko sur le mais également un orphelinat Bounek Fale Kaolak. Les plinchis de les compralis, Nyomnyoko Yelo, Nyomnyoko Djor, Inch'Allah. Nam également une tombola Bokhamanteni. Le ticket il coûte 5 euros. Vous pouvez participer à ce concours pour nous gagner également à Ilo Amam Solo. Donc, venez nous soutenir, venez accompagner la dame Kate Evenementiel pour passer une très 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 belle soirée avec Kidira TV. Je suis venu à Guyana, je suis venu au Boutibi restaurant, à New Hall. L'organisatrice de cette soirée dansante, Ndougou Hall, recueillir un point de vue par rapport à pourquoi cette soirée, éventuellement, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous proposer en termes de contenu, en termes également d'événements et puis tout ce qui va pouvoir nous apporter du plaisir et du bonheur. Kate Evenementiel, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Très bien, merci. Alors, ce soir, vous conviez les Parisiens à venir passer un moment inédit avec vous, avec quelques artistes qui vont nous offrir une soirée inédite surtout. Mais une question très légère, c'est quoi le contenu de cette soirée? Alors, cette soirée, le contenu de cette soirée, c'est pour soutenir un orphelinat à Kaolack. Donc, j'ai organisé cet événement avec un showcase et une ambiance dansante. Donc, les gens viennent, ils ont une participation de 10 euros d'entrée et ils ont la possibilité de se restaurer sur place à la carte. La consommation est obligatoire et ils peuvent dîner à la carte avec la spécialité tunisienne. Alors, aujourd'hui, c'est un week-end samedi soir. Tout le monde doit pouvoir aussi venir profiter de ces moments magnifiques. Et comme vous aussi, vous évoluez dans l'événementiel depuis très longtemps. Et aujourd'hui, pourquoi vous comptez mettre en avant aussi certains artistes pour qu'ils vous accompagnent pour certains shows que vous organisez à Paris? Bah écoutez, c'est des choses nobles que j'organise et je voulais vraiment qu'ils participent à ces causes-là. Des enfants, ça peut être... bon là aujourd'hui c'est l'orphelinat, mais je fais aussi dans les écoles élémentaires. D'accord. Voilà, et ça les... Pour eux, c'est bien. C'est pas que chanter, faire des showcases. Au moins, il y a une cause humanitaire dans l'action que je fais. Il y a des artistes qui viennent après? Oui, j'ai un chanteur qui s'appelle La Brique, qui va chanter quatre chansons. J'ai Taïsko, qui vont faire la première partie avec Déby. Tous les deux vont chanter deux chansons chacun. Alors, qu'est-ce que vous réservez en termes de surprise pour les gens qui veulent venir passer ces moments avec vous, les gens qui veulent venir découvrir, voir ce qui va se passer? Il y a quoi comme surprise qui leur attend? Alors, il y a une tombola. Donc, il y a trois lots à gagner. Donc, voilà, ça amène de l'animation. Parfait, merci. Merci à vous. Excellente merci soirée. Kidira TV, merci. Merci beaucoup, excellente soirée. Alors, comme vous pouvez le voir, on vient d'avoir Kate Evenementiel avec Kidira TV. Elle nous a parlé du contenu de cette soirée. On va pouvoir également vous offrir des informations du début jusqu'à la fin pour tout ce qui va se passer aujourd'hui. Le restaurant El Gola, c'est un restaurant tunisien. Vous pouvez vous restaurer gratuitement, mais cette fois-ci, la participation elle est à 10 euros et les fonds qui seront collectés lors de cette soirée seront reversés
exclusivement aux nécessités qui sont au Sénégal, mais surtout pour soutenir un orphelinat qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien. Pour ces raisons pour lesquelles la cause elle est très noble, nous devons tous soutenir, participer, afin que nous puissions améliorer les conditions de vie de certaines personnes. Ça se passe sur Kidira TV. Maintenant, on est avec Myriam. Elle aussi, elle intervient dans l'organisation de Kate événementiel. Bonsoir, Myriam. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va, je vais bien, merci. Alors, vos impressions par rapport à cette soirée qui s'annonce déjà très palpitante? Alors, en fait, on est content parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui est arrivé. On attend encore une quinzaine de personnes. Et les artistes sont présents, le DJ est là. Donc, je pense que ça va être une très belle soirée. Et surtout pour Yaï Keïta, qui est la fondatrice de l'association Quête événementielle, au niveau des fonds. Parce qu'en fait, comme on a dit, les fonds nous permettront d'envoyer des bagages, enfin des livres, des habits pour les enfants au Sénégal. Voilà. Donc du coup, on espère que cette soirée va être florissante pour ensuite pouvoir envoyer les habits et tout ce qu'il faut et pour pouvoir les distribuer le plus rapidement possible et des fournitures scolaires aussi, pardon, pour pouvoir les distribuer le plus vite possible aux enfants au Sénégal. Voilà. D'accord. De rien. Merci. Une côtelette d'ailleurs. C'est ça. Quoi? C'est une? Non, là, il y en a plusieurs. Ah, il y en a plusieurs. Bah oui, on en a besoin. Okay. Il y a trois alors. C'est ça. Alors, c'est quoi vos impressions ce soir? Franchement, bonne impression. Il y a aussi une action qui est menée par Quête événementielle qui est magnifique. Donc, c'est un événement caritatif pour les orphelins du Sénégal. Et donc, on l'encourage aujourd'hui. Donc, on est présent pour elle, mais aussi pour ces orphelins-là qui sont là-bas. Et pour aussi les personnes qui organisent ça et qu'on les voit pas, qui sont dans l'ombre. Donc, on les oublie pas et on les salue aussi. Et bon courage à vous et bon courage aussi à Quête événementielle pour cet événement et les autres événements futurs. Merci. Merci infiniment. Bonne soirée et merci, bon appétit. On est avec Jooms. Jooms, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va très bien et vous? En face, vous avez une très belle assiette. Exactement. Hein, bien garnie et puis c'est ça. Ça va bien manger ce soir. Ouais, oui, il faut bien se ravitailler. Ouais. Alors, vos impressions par rapport à cette soirée caritative? Ben, franchement, une bonne impression, une bonne ambiance. On mange dans la bonne ambiance. On se connaît plus ou moins les uns les autres. Ça bavarde, c'est cool. Parfait, merci. De rien. Bonne soirée. Bonne soirée. Binette. Binette. Bon appétit. Merci. Alors, vos impressions par rapport à cette soirée? Ben, pour l'instant, je viens d'arriver. Ben, écoutez, je suis agréablement surprise. Et en même temps, ça ne m'étonne pas de Yaï, parce que Yaï, c'est une femme généreuse qui aime le partage. Donc, ben, ça lui ressemble. Et en tout cas, je lui souhaite plein de bonnes choses, parce qu'elle ne fait que des belles choses. Donc, voilà. Merci. Je vous en prie. Bonne soirée, bon appétit. Merci. Ça va? Ben, l'événement, c'était un bel événement. Donc aujourd'hui, je suis venue pour soutenir Yaï avec l'association Quête événementielle qui œuvre pour un orphelinat au Sénégal. Et je tenais vraiment à être là pour la soutenir et aussi pour la remercier parce qu'elle a fait beaucoup pour moi. C'est une personne en fait qui m'a beaucoup poussée, qui m'a beaucoup aidée, qui à chaque fois qu'il y a un événement, elle pense à moi. Donc, je lui suis vraiment redevable et franchement, c'est une belle personne. Et j'espère que aux prochains événements que Yaï fera, je serai toujours là pour elle. C'est moi qui te remercie. Elle est très contente aujourd'hui. Elle est très contente parce qu'il y a eu du monde qui est venu pour la soutenir et on va continuer sur cette lancée-là. Merci à toi. Ça s'est très bien passé, j'ai bien mangé. Donc aujourd'hui, moi je me présente, monsieur Cissé Talbi, donc je suis président de l'association RDV Respect des Valeurs. C'est une association sur la prévention, sur le rugby, etc. Là aujourd'hui, je suis venu soutenir ma sœur Yaï Keïta. C'est la présidente de l'association Quête événementielle. Donc je soutiens sa cause par rapport aux enfants du Sénégal. Au village de Kaolack, voilà, les accompagne sur tout ce qui est médical, fourniture scolaire. Et je pense que c'est une belle chose. Voilà, nous on est là pour la soutenir et je pense que toutes les associations doivent se donner de la force pour que les projets avancent. Quoi. Merci beaucoup. Merci, il n'y a pas de souci. On va prendre Amine Diaye, elle également, qui est venue participer à cette soirée caritative hein, organisée par Kate événementielle. Amine, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment tu vas? Très bien, merci. Vos impressions par rapport à cette œuvre caritative que nous offre Kay? On est là pour soutenir Yaï, qui s'occupe d'associations au Sénégal, dans la joie, dans la bonne humeur. On mange bien, dans une bonne ambiance avec mes sœurs, ici présentes. Et, on est très contents d'être ici. Merci. Je vous en prie.
Kidira Diaspora Télévision, la web télévision qui rassemble la diaspora sénégalaise et malienne de France.